Voilà, le pouvoir semble reprendre la main par rapport à vos manifestations. Où en êtes-vous pour le dialogue annoncé? D'abord, le pouvoir ne reprend pas du poil de la bête. Ça, c'est normal. Hein? Nous avons envie de les faire tomber. Ils résistent. Bon. Nous sommes dans un corps à corps. Il faut que chacun se batte. Et nous sommes dans ce combat. Et c'est un combat sans merci. Ils ne nous feront pas de cadeaux, on ne leur fera pas de cadeaux. Et donc moi, ça ne m'impressionne pas du tout. Ils ont le droit de chercher à rester et j'ai le droit de chercher à les faire partir. Donc ça ne me gêne pas et nous réussirons à les faire partir. Maintenant, le dialogue, eh bien le dialogue, ça ne dépend pas de nous. Nous avons formulé des revendications. Et c'est dans le paquet qu'on appelle les mesures d'apaisement préalable. Ces mesures ont commencé à être mises en œuvre, d'où la libération des deux imams de Sokolé, de Bafilo et de quelques personnes interpellées dans le cadre des manifestations. Et puis, ça s'est arrêté. Et nous, nous attendons la poursuite de la mise en œuvre des mesures d'apaisement pour et surtout en ce qui concerne les jeunes de l'AMC interpellés et qui sont en prison depuis 5 ans dans le cadre des incendies des marchés de Lomé et de Kara. Et je veux préciser, confirmer que je ne participerai pas à un dialogue tant que ces jeunes ne seront pas libérés. Moi-même, je suis inculpé depuis 5 ans. Et vous pensez que moi, je dois admettre cette situation et aller m'installer en face des gens qui m'inculpent sans aucune raison? Mais ça veut dire que j'accepte que les droits de l'homme soient violés, j'accepte que l'arbitraire ait cours au Togo, mais ça n'a aucun sens. Et donc j'attends que ces mesures d'apaisement soient prises. J'attends que cette affaire soit réglée pour que le dialogue commence. Donc je vous dis, ça ne dépend pas de moi. Et je dis que ceux qui prétendent que nous empêchons le démarrage de l'élection par ces revendications, je crois qu'ils ne savent pas comment se mène une lutte politique, comment se mène un combat politique. Et j'aimerais, parce que eux, s'ils se trouvaient dans la situation d'être injustement mis en prison, il y a des gens comme nous qui les défendraient. Et je souhaite qu'ils ne sacrifient pas les droits des citoyens sur l'autel de la patience ou de l'impatience pour obtenir quelque chose. Si vous allez négocier dans cette situation-là où vous avez l'épée de Damoclès d'une condamnation farfelue sur votre tête, aurez-vous la sérénité nécessaire pour discuter? Non. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi faire. Laissez-nous faire. Je ne discuterai pas dans ces conditions. Je suis formel.